Salutations les amis, ici Fantasemo, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur mon île, mon paradis. Et aujourd'hui, nous allons essayer de relever le défi de l'amitié avec les USA. Nous sommes toujours en époque coloniale, j'ai trois paris à gagner contre le président des USA pour pouvoir obtenir son amitié. Il faut que j'exporte de la viande aux ennemis de la couronne pour gagner un prolongement de mandat. Et je suis un petit peu dans la merde parce que seulement 8% des gens m'aiment. Ok, je vous écoute. Mais je parie que vous ne pourrez pas exporter massivement des produits agricoles avec toutes les taxes que vous impose la couronne. Alors, je vais même ajouter au pot de mon côté. Si vous réussissez, je vous offre de juteux contrats d'exportation ou une technologie. Gagnez 10 000 dollars en exportant des produits agricoles. J'accepte. La trépidante vie amoureuse de votre famille est à l'origine d'une grossesse inattendue. Alors, je vais essayer de construire une mission catholique d'ici 9 mois. De toute façon, il faut. Clac, il faut. Et on va la mettre ici, là, avec les paysans. Ok, c'est bon. Au niveau exportation, on a toujours le café qui s'en va. J'ai un autre navire de disponible. Qu'est-ce que je peux envoyer? Du fer! Je réserve le navire. Je vais faire ici. Oh, j'ai du pétrole! J'ai du charbon ici, j'ai du charbon là. Ici, aucune mine. Par contre, j'ai deux mines de fer, une ici et une ici. Je ne vais pas tout de suite me focaliser sur le fer parce que je pense que je vais faire suffisamment de thunes avec l'agriculture. Gouverneur, la couronne a décidé de réclamer des impôts fonciers à Tropicaux. Mes contacts à la cour m'ont fait savoir qu'Isla Arroyo était à l'origine de cette idée. Je ne sais pas comment ils espèrent en profiter, mais vous allez en souffrir. Ok, 50 dollars par bâtiment construit à Tropicaux, y compris votre propre palais. Ça va faire mal. Ça va faire mal, mais c'est pas grave, parce que je suis motivé. Ce que je veux, c'est un bureau des routiers efficace dans la zone ici, s'il vous plaît. On va le mettre. On va le mettre ici. C'est pas évident. Voilà. Et même allez, construction rapide. Rien à foutre. Rien à foutre. Le découvert, rien à foutre. Oh merde! Ah non, c'est bon, j'ai cru que je l'avais mis à l'envers. Pourquoi je mets un bureau des routiers? C'est parce que je veux que l'exportation, en fait, si vous voulez, les tropiciens utilisent des voitures, enfin un bureau des routiers pour pouvoir aller plus vite, pour transporter les denrées, etc., etc., aller au boulot, etc., etc. Là, par exemple, j'ai 8%, j'ai une mission qui va arriver, mais pas encore. Je vais pas assez vite, là. Voilà, ça va aller mieux. Allez. Montre-moi que j'avais raison et rends-moi riche. Ouais, ça va le faire. Prochain coup, ça le fait. Alors, 8%. La satisfaction, 0% divertissement. La religion, ça va monter. La santé, on n'en est pas là. Le divertissement, on n'en est pas là. Le logement, c'est de la merde. 68 sans abri. Alors, on va mettre de la maison et de la bonne maison de paysan. Clac. Ah, la bonne maison de paysan avec un pub au milieu. Ok, je suis déjà fauché. Le pub, je peux pas encore. Ok, vas-y. Construction optimale, s'il te plaît. Voilà, c'est réglé. Ah oui, elle voulait que je fabrique une bibliothèque. Ça serait bien pour optimiser mes fermes. Sinon, j'irai pas très loin. J'irai pas très loin. Ça pousse. Le café. El Gringo, il est où ton café? Hop.
La couronne m'envoie des sous, c'est plutôt pas mal comme idée. Clac clac, recherche, recherche, bibliothèque, il me faut un peu plus de sous que ça. À la naissance de l'héritier, tous les animaux se turent, une lumière brilla dans les cieux, et le chupacabra vint s'incliner devant les nourrissons. En tout cas, c'est ce que l'on écrira dans les livres d'histoire. Alors, les étudiants obtiennent leur diplôme 10% plus vite, c'est ce que je vais prendre pour mon héritier, Loupé. Loupé qui sera un homme d'affaires. Un homme d'affaires avec des cheveux. Hop. Voilà, comme son paternel. Hop, mais juste pas du rose. Voilà. Clac. Clac, clac, clac. Et puis les cheveux. Petite moustache. Yeah. Loupé. Mais je garde Balthazar. Craignez-moi et obéissez-moi. On est d'accord. Tout le monde peut faire pousser des choses. Mais essayez un peu d'exporter massivement des produits issus de votre bétail. Ça, c'est un pari plus difficile. Qu'est-ce okay. que vous en dites? Alors, il va falloir que je me lance dans le bétail. Il fait chier. Il fait chier. Malheureusement, je pourrais pas le faire. Profiter. Tout le monde peut faire pousser. Ça va pas assez vite les sous. Ça va pas assez vite. Allez. Ok, j'avais tort, je vous le concède. Buvons à votre succès. Alors, technologie constitution, non, mais par contre, contrats commerciaux, deux routes commerciales, j'en veux bien, parce que s'il m'en fournit une dans la viande, oui, oh putain, elle est bonne. C'est de la très très bonne. Je retire le navire, je prends la viande avec les USA. Nickel. Et on va faire du bétail, mais alors ils vont rien comprendre. Ranch, viande. Toujours dans du bovin. On prend du lait ou pas? Ou des cochons? On va prendre du cochon, ça va faire de la variété. Ah, c'est territoire inexploré là, mais t'as vu quoi toi? Bien sûr. Ici. Et aussi, j'ai dit recherche, bibliothèque. Tu mets la bibliothèque parce qu'elle a du style. Pas trop loin. Gouverneur, la couronne réclame des... Ok, il vient me taxer. J'ai l'habitude. C'est bon, hein. La viande va rapporter énormément. Énormément. Faut plein de viande. Ok. Je vous conseille, il y a une petite vidéo sur YouTube avec marqué Tropico 3 and 4 soundtrack. Et je vous conseille d'écouter la salsa en même temps, c'est vachement cool. Malheureusement sur YouTube on peut pas la mettre sans être emmerdé, donc je la mets pas. Ok, bon, l'exportation, ça marche pas trop. Il est apparu à l'ordre que vous n'avez plus les faveurs de la couronne. Et cela met en danger votre mission. J'ai fait jouer mes relations pour tenter de trouver une solution. Ces impôts fonciers sont un moyen efficace de vous détourner de votre mission. Je ne sais pas précisément qui en est à l'origine, mais c'est une obstruction au déroulement du plan que nous ne pouvons pas tolérer. Dès que j'aurai trouvé une solution, je vous informerai. N'oubliez pas que l'ordre est votre unique allié et notre plan est le seul futur possible. Qui sait? Alors, bon, le palais brille, ça qui compte. Quoi d'autre? Il y a un moyen de contourner les impôts fonciers. Vous devrez faire votre part. L'ordre ne veut pas que vous comptiez sur nous pour tout et n'importe quoi. L'ordre vous montre la voie, et c'est à vous de faire le trajet. Alors, objectif, utiliser l'argent de votre compte en Suisse pour graisser quelques pattes. J'ai assez? Ah oui. C'est bien. Je pensais pas que j'avais déjà des sous en Suisse, j'avais bien fait d'accepter. Cool, ici, j'invite un travailleur étranger ou on en aura un?
Allez, allez, allez. On ne s'endort pas. Les sous, ça remonte, hein. Si ça commence à rentrer par zone de 5000, ça va être nickel. Ici, on a un travailleur. Et je vais tout de suite lancer ma recherche amélioration des fermes. Et ensuite, amélioration des ranchs. D'ailleurs, en parlant de ranch, il m'en faut plus de viande. Plus de cochons. Une tonne de cochons. C'est moi ou il veut vraiment pas? Cool. 1, 2, 3, 4. 4 viandes, j'en voudrais plus de viande. 17% au niveau chômage, ça doit aller. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui travaille pas. 5 chômeurs, ça va. Exporter des produits agricoles, c'est trop facile. Mais monter une véritable industrie autour des ressources, c'est impossible dans une économie exploitée par la couronne. Gagner 10 000 en exportant des produits miniers ou forestiers. Bah écoute, challenge accepted. Tu vas voir comment les Amerlocs, ils vont me manger dans la main. Clac, fais ça. Eh ouais, je n'ai que faire des revendications de la population, hein, pour l'instant. Oh, je suis qu'à un an. Je suis qu'à un an. Est-ce qu'ils vont rallonger? La première étape, ouais, du plan. 6 mois. On est mal. On est mal. 1 an et 9 mois. Lui. Tout le monde peut faire pousser des choses. Exporter des... Non. Les moyennes, les plus... Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Il faut que je m'occupe de la population. Une fois des pubs. Le mec. L'alcool. Alors, un peu d'alcool ici. Un peu d'alcool. Ici. Oh, j'ai trop serré. Excellente nouvelle! En fouillant les... Alors, on améliore les plantations, traitement des grains. Ouais, on abuse. Tant pis pour le découvert. Sa Royale Majesté m'a demandé de vous présenter cette citation qui vous félicite pour vos exploits au nom de l'Empire. Alors, je prends les 12 mois de prolongation. Voilà, donc je me retrouve. J'ai 3 ans pour faire des miracles auprès de la population, parce que sinon personne ne voudra voter pour moi au moment. Hop, vas-y. Clac. Nickel, bravo Fanta. Tu peux le faire. Quoi d'autre? Gouverneur, j'ai trouvé ce livre dans votre bureau. Il a été écrit par le camarade Marx et il propose des idées intéressantes sur la façon dont nous devrions bâtir notre société. Ok, lutte pour la liberté. Nous avons besoin de plus de ces prolétaires. Vous devriez construire un nouveau bâtiment de production pour étoffer les rangs de notre classe ouvrière. J'accepte une plantation de coton. Je sais pas. Le coton. Coton. Allez, c'est juste pour lui faire plaisir. N'empêche, c'est une bonne idée le coton. C'est une bonne idée. Allez, construction rapide, rien à Quelqu'un foutre. Quelqu'un m'a volé un manuscrit et l'a publié sous un faux nom. C'était les récits autobiographiques de deux hommes qui vivent à la montagne et apprennent à se connaître en profondeur. Ce n'est vraiment pas très gai comme histoire. Ok, d'accord, c'est lui. Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Alors, j'importe des révolutionnaires, 3 citoyens éduqués. Ouais, on sait jamais, hein. Tout va compter maintenant en 2 ans. Tout va compter. Les pubs, des mines, s'il vous plaît, bien sûr.
Et aussi un fort militaire aussi, parce qu'il va falloir... Ah non, on va les acheter, on va les acheter. Mine. Ah, j'ai pas encore la technologie. On va améliorer ça. Suralimentation. Fumier. Fuck l'écologie. Il me faut... Santé, je peux rien faire pour le moment. Religion, ça va assez bien. Divertissement, c'est moisi. Donc là, j'ai deux pubs. J'ai combien de pubs? J'ai un seul pub. Un autre pub. La solution, c'est toujours plus de pubs. Les paysans ont le droit de picoler eux aussi. Oh, sauvegarde auto. Un autre pub. Pas très loin. Du bureau présidentiel, ils ont le droit de picoler eux aussi. Plus de religion. Et puis après, ça sera logement. Plus de religion avec un crédit à la consommation. Oui. Sa Majesté trouve l'arriération de votre île très amusante. Mais elle a peur que cela ne soit un obstacle à la réalisation de ses plans. Alors, il faut que j'améliore la technologie fossile et je gagne 6 mois, mais Sa je crois que c'est Royale bon. Sa Majesté bon. M'a demandé de vous présenter cette citation. Allez. Qui vous félicite pour vos exploits au nom de l'Empire. Je prends, d'après vous, je prends 5 000 $ ou alors 12 mois de mandat. Je pense que en 3 ans, je peux y arriver. Je prends l'aide au trésor. Je peux y arriver, on va le faire, Fanta, on va le faire. Alors, déjà... Il n'y a pas beaucoup de besoins à satisfaire au tout début. Là, maintenant, ça va être un petit peu... Au niveau chômage, c'est réglé. Maintenant, ça va être l'habitation. Clac. Ok, 3 habitations en plus. Une équipe de recherche composée de moi... Ok, il a débloqué la pelle. Ok, maintenant le fort. C'est bon, c'est bon. Les révolutionnaires vont aussi beaucoup... Oupting, j'ai oublié. Les mines. Niveau export, j'exporte de la viande en grande quantité. Le fer, inutile, mais je garde le truc et j'exporte du café. C'est bon, ça. Par contre, mon coton me sert à rien. Bien joué! Félicitations! C'est impressionnant! Un J'aime opéra bien gratuit. Qu'on donne tort. Ça veut dire que j'apprends des choses. Ou paperasserie. On ne se trompe jamais avec la paperasse. Allez, paperasse. D'ailleurs, en parlant de paperasse, je peux faire des décrets. Par exemple, ration supplémentaire. Le peuple va m'aimer davantage. Augmente le coût de tous les bâtiments de 20%. La moitié de cette hausse s'est reversée sur votre compte en Suisse à la fin de la construction. Personnellement, je suis pour. Je veux des sous sur mon compte en Suisse. Surtout que je commence à créer des bâtiments. Merde, c'est fini le café! Heureusement, c'est pas fini. Il y a encore quelqu'un qui veut bien m'en acheter. Cool. Putain, j'étais mal. Gouverneur, la couronne a encore doublé les impôts fonciers. Putain. Et j'ai la conviction que le gouverneur d'Isla Rio est derrière cette réforme de l'imposition. Cette information est offerte, car vous n'avez de toute façon plus les moyens de vous payer mes services. Ouais, c'est ce qu'on verra. Je profite pour terminer cet épisode. On va établir les fondations de la prospérité en ajoutant une mine ici. Une mine ici. Un nouveau dock. Clac, clac, clac. Hop, hop, hop. Un nouveau dock. Ici. Je suis désolé, j'avais pas entendu les travaux derrière. Je sais pas si vous les entendez. Moi, ça me dérange. Je vais bien fermer le double vitrage pour le prochain épisode. Donc, avec ça, je peux vous dire, on est blindé. Et juste, on change la culture du coton en café. Parce que
J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Je suis à 27%, je suis bien remonté. Donc non seulement je suis richissime, enfin on va être richissime dans le prochain épisode, mais en plus de ça, l'insatisfaction a augmenté drastiquement. J'ai plus qu'à m'occuper du logement et de l'armée. Et l'armée, c'est dans le prochain coup. Ok, ben rendez-vous dans le prochain épisode, les amis. Bisous, c'était Fanta. Fantasimo. Et bienvenue sur mon île, mon paradis.